Je me nomme Monsieur Orlan Gonou, professeur de français, telle que la discipline l'exprime clairement. Et aujourd'hui, nous revenons pour une énième fois dans le cadre de notre processus de continuité pédagogique et des acquis sur l'exercice portant sur la dissertation. Aujourd'hui, je me propose de travailler avec vous ce matin sur la rédaction de l'introduction, tout en se basant sur les notions de la compréhension, élucider la séance, les séances précédentes. Et en guise de rappel, la séance d'avant, nous avons travaillé sur la recherche des idées, notamment sur la deuxième partie de la dissertation que nous appelons communément développement. Et la fois d'avant, nous avons recherché avec vous les idées sur les éléments de la fiction et de la réalité dans une œuvre romanesque. Et par rapport à ce travail, nous avons énuméré plusieurs arguments en évoluant par question-réponse. Et la recherche des idées n'est pas le développement au sens propre du terme. La recherche des idées nous a seulement permis de trouver les éléments et des justificatifs pour enrichir ou donner un sens à notre travail. Et après avoir abordé les éléments de la recherche des idées, l'élève avait l'obligation de donner une hiérarchie, donner une autre image de son travail en retirant cette fois-ci les éléments que nous avons mis au départ, que nous avons élucidés au départ, qui portaient sur l'argument et l'exemple. Donc ce travail se faisait au brouillon et au développement, l'élève retire l'expression argument et l'expression exemple, rassemble les deux aspects pour avoir ce qu'on appelle un paragraphe. N'oubliez pas que nous avons dit que le paragraphe argumentatif est un ensemble des idées et des exemples qui gravitent tout autour d'une thèse ou d'une idée directrice. Et dans le déroulement, chaque élément nous donne des sous-paragraphes. Et des sous-paragraphes, c'est ce que nous avons évoqué la fois d'avant, argument-exemple, et chaque élément, en rassemblant, nous donnait plutôt des sous-paragraphes pour bien agrémenter, bien alimenter, bien détailler notre travail. Après avoir rappelé ces notions portant sur la recherche des idées, nous devrions savoir que dans tout travail de dissertation, tout débatteur, avant toute analyse, doit circonscrire le libellé du travail à faire au moyen d'une introduction, pour permettre au correcteur de mieux lire le processus argumentatif au niveau de la recherche ou du développement. Et il en va de même de la dissertation où l'élève est appelé à produire une introduction normative pour circonscrire le discours dans le but de mieux orienter son travail. À cet effet, la recherche de l'introduction impose le respect de certaines étapes. Et sur cette question, sur cette notion, nous devrions retenir qu'à la fin de cette séance portant sur la rédaction de l'introduction, l'élève doit être capable de rédiger une introduction normative en faisant ressortir les trois étapes à partir d'un sujet proposé par le professeur. Et après avoir connaissant notre objectif du cours d'aujourd'hui, nous allons revenir sur quelques aspects pour se remémorer les bons temps
ou le travail précédent. Et on va évoluer par questions-réponses pour revenir sur ces notions et ces questions. Combien de parties doit-on trouver dans une dissertation? Citez-les. Combien de parties doit-on trouver dans une dissertation? Citez-les. Nous savons que dans une dissertation, la dissertation comprend trois parties, notamment l'introduction, le développement et la conclusion. Comment appelle-t-on l'ensemble de ces trois parties? L'ensemble de ces trois parties est appelé schéma de la dissertation, c'est-à-dire les parties constitutives d'une dissertation sont appelées schéma de la dissertation. Quel est le sujet de dissertation que nous avons commencé à traiter dernièrement? Quel est le sujet de dissertation que nous avons commencé à traiter dernièrement? Le sujet, c'est ce que nous allons reporter au tableau pour des besoins de rappel et de compréhension. Sujet, deux points, dans le mentir vrai. Dans le mentir vrai, c'est le titre de l'ouvrage. Dans le mentir vrai, dans le mentir vrai, virgule, Louis Aragon déclare, deux points, le roman nous détourne de la réalité. Le roman nous détourne de la réalité, deux points. L'art du roman c'est de savoir mentir. Et quelle était la consigne? On nous demandait de discuter. On nous demandait de discuter cette thèse. En vous appuyant. En vous appuyant sur vos lectures des œuvres littéraires. Voici le sujet que nous avons abordé la fois d'avant. Pour ce sujet, quelles sont les étapes que nous avons traitées et quelles sont celles qui restent à traiter? Nous avons traité deux étapes. La première partie de notre démarche en ce qui concerne ce sujet portait sur la compréhension. Et le deuxième exercice ou la deuxième partie abordée portait sur la recherche des idées que vous allez agrémenter par la suite, parce qu'on avait dit que ce n'était qu'un canevas. Et il nous restait à rédiger de manière claire et nette le développement,
Mais en ce qui nous concerne, pour ce matin plutôt, nous allons nous appesantir sur la rédaction de l'introduction. Donc nous allons commencer la démarche de la rédaction au sens propre du terme. Et cette notion va plus s'appesantir sur l'introduction pour répertorier les éléments nécessaires qui nous permettront de rédiger une introduction. Et comme nous le savions tous, que l'objectif numéro un devant un sujet, c'est de lire le sujet pour mieux comprendre l'énoncé ou les propos de Louis Aragon. Et après avoir lu le sujet avec vous, nous allons évoquer les éléments constitutifs de ce sujet. Et par rapport à cela, nous, la première question que nous allons nous poser, ou le rappel que nous allons faire, ce sont des éléments déjà abordés la fois précédente, et nous allons nous en servir pour rédiger une introduction. Et le premier élément ici que nous allons répertorier, c'est le thème du sujet. Et ici, on revient au niveau de la compréhension. Compréhension du sujet. Et ici, nous allons rechercher les éléments constitutifs. Les éléments constitutifs. Les éléments constitutifs d'une introduction. Les éléments constitutifs d'une introduction. Les éléments constitutifs d'une introduction. Quels sont ces éléments? Bien, ici, si nous avons évoqué le mot compréhension, si nous avons évoqué l'expression compréhension, c'est seulement, ce n'est pas la partie que nous abordions, mais c'est surtout les éléments que nous avons déjà élucidés la séance d'avant qui nous permettront de faire ressortir les aspects clés d'une introduction. Sinon, ce n'est pas l'exercice compréhension, mais nous allons nous en servir pour faire ressortir les éléments nécessaires d'une introduction. Donc, on peut ou ne pas reproduire, et en ce qui nous concerne, on peut même retirer l'expression compréhension du sujet. Et il nous reste que les éléments constitutifs d'une introduction. Les éléments constitutifs d'une introduction. Bien. Et quels sont les éléments constitutifs d'une introduction? Les éléments qui peuvent nous aider à rédiger l'introduction. Petit A. Petit A. Nous allons agrandir l'écriture. Donc, petit A, nous avons... Petit A, thème. Deux points. Quel était le thème de ce sujet? Notre sujet porte sur le roman. Deuxième élément, problème posé. Problème posé pour des besoins de cohérence. On va tout mettre en majuscule. Problème posé. Quel était notre problème posé? Notre problème posé portait sur la fiction romanesque. La fiction dans le roman. La fiction romanesque. La fiction romanesque.
troisième élément au petit C, c'était la reformulation du sujet. Reformulation du sujet. C'était la reformulation du sujet. Quelle était notre reformulation? Le roman n'est que pur mensonge. Ou bien le roman n'est que l'expression de la fiction. N'est que l'expression de la fiction. Voici les deux aspects. Et au petit D, nous avons la problématique. La problématique. Deux points. Quelle est la problématique? Peut-on soutenir que le roman est un pur mensonge? Bien, ça c'est ce que nous avons énuméré la fois d'avant. Mais je vais d'abord revenir sur la problématique. Au niveau de la problématique, nous avons deux aspects. Nous avons deux parties essentielles. Nous avons deux possibilités au niveau de la problématique. On peut avoir une question directe qui fait ressortir les aspects de la thèse et de l'antithèse. Tout comme on peut aussi avoir deux problématiques. Chaque problématique représente une partie donnée. Chaque problématique représente une partie donnée. Et ici, nous avons une seule problématique. Et à partir d'une seule problématique, nous avons ici la thèse et l'antithèse. Mais on peut aussi avoir la possibilité d'avoir deux problématiques. Chaque question représente une partie du développement. Et ici, nous avons le plan. Petit E. Plan. Notre plan retenu était le plan dialectique. Voici les éléments de base qui constituent les parties essentielles qui pourront nous aider d'aborder les questions ou les aspects de rédaction d'une introduction. Quelles sont les étapes d'une introduction? Les étapes d'une introduction sont la mise en contexte du sujet ou la situation du sujet, la reprise de l'énoncé du sujet ou la reformulation possible, la problématique et l'annonce du plan. Ce sont les mêmes éléments que nous retrouvons ici au tableau. Et qu'est-ce qu'on entend par mise en contexte du sujet ou la situation du sujet? Par mise en contexte du sujet, l'élève ou le rédacteur ou le débatteur est à l'obligation plutôt de présenter le sujet en une phrase, en le rapprochant du thème du sujet. Et en ce qui concerne la reprise de l'énoncé du sujet, le candidat ou le débatteur a la possibilité d'insérer la citation, si elle est courte,
dans une phrase tout en dégageant le problème posé. Et si elle est longue, l'élève ou le candidat ou le débatteur a la possibilité de recourir à la reformulation du sujet. Et après cette deuxième partie, nous avons la problématique et l'annonce du plan. Il s'agit ici de présenter la question ou les questions centrales du sujet et annoncer la procédure du traitement en ce qui annoncer en deux ou trois phrases le plan du développement choisi. Si c'est une question directe, l'élève doit préciser comment est-ce qu'il va répondre à cette question au niveau du développement. Mais s'il pose deux questions centrales qui représentent chaque partie du développement, il peut s'arrêter là. Il n'est pas obligé de présenter cela. Mais dans ce cas de figure, l'élève est obligé de présenter en deux, trois phrases, en une phrase, comment est-ce qu'il va aborder cette question au niveau du développement. Et par rapport à ces parties élucidées, à ces étapes évoquées, quels sont ou quelles phrases correspondent à chaque étape évoquée? Quelles phrases correspondent à chaque étape évoquée? Et c'est cette partie que nous allons aborder pour regarder comment est-ce qu'on énumère ou comment est-ce qu'on aborde les éléments ou bien comment est-ce qu'on présente les éléments d'une introduction. Nous allons prendre de manière repartie ou de manière détaillée, nous allons présenter ces parties de manière détaillée pour que vous ayez un regard net sur les aspects d'une introduction. Après avoir évoqué les éléments constitutifs de l'introduction, nous allons aborder au deuxième tiret les critères ou les étapes d'une introduction, les étapes d'une introduction normative. Les étapes d'une introduction normative. Quelle est l'étape 1? Au petit a, nous aurons la présentation. Donc, présentation du sujet. Présentation du sujet. À ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? En ce qui concerne la présentation, l'élève a deux possibilités. Soit il part d'un cadre général pour faire ressortir le thème qui, ici au tableau, porte sur le roman. Tout comme il peut aller aussi de manière directe, c'est-à-dire aborder directement les aspects du roman, tout en le cadrant par rapport au sujet élucidé. Comme on l'avait dit précédemment, que le roman est une création artistique. Donc, c'est une création humaine. Donc, c'est le fruit du génie humain. Et on peut aussi se servir de ces éléments élucidés au niveau de la compréhension. En ce moment-là, on peut avoir, nous allons faire la présentation du sujet. Premier aspect, l'artiste dans la création, l'artiste dans la création de ses œuvres notamment le roman met en relief
met en relief des faits, met en relief des faits qui déconnectent, met en relief des faits qui déconnectent le lecteur, qui déconnecte le lecteur de la réalité. Voici une possibilité. L'artiste, dans la création de ses œuvres, notamment le roman, met en relief des faits qui déconnectent le lecteur de la réalité. Qu'est-ce qu'on entend par déconnecter le lecteur de la réalité? Déjà, connexion, c'est être, partager la même vision, avoir le même regard. Mais quand on dit déconnecter, c'est qu'on te retire du monde réel. On t'emmène dans le monde des idées, le monde de la fiction, le monde de l'imagination. Donc ici, est-ce que nous avons retrouvé, par exemple, les éléments, le thème? Le thème est bel et bien inscrit dans cette phrase, c'est le roman. Le thème est abordé. Est-ce que nous avons énuméré aussi les éléments, par exemple, du problème posé? Les éléments sont bel et bien là. C'est l'expression déconnecter le lecteur de la réalité. C'est-à-dire on ne sort pas du cadre du sujet, mais on reste dans le sujet. Après avoir présenté le sujet, nous allons aborder la deuxième partie. C'est la reprise de l'énoncé du sujet. B, la reprise de l'énoncé, la reprise de l'énoncé du sujet. Parfois on dit insertion du sujet, annonce du sujet. Nous sommes ici sur la deuxième partie. Nous avons dit que la reprise du sujet, c'est insérer la citation, s'il y en a une, dans une phrase, et dégager le problème posé. Et ici, en ce qui nous concerne, comment allons-nous faire ressortir cet aspect? Alors que déjà au niveau de la présentation du sujet, nous avons dit que nous avons évoqué le thème et nous avons déjà abordé le problème posé. C'est la partie déconnecte le lecteur de la réalité. Puisque ces deux éléments sont déjà présents au niveau de la présentation du sujet, comment allons-nous aborder la reprise? On vérifie tout simplement si la phrase élucidée cadre avec la pensée de lui, Aragon. Et quand on regarde, nous nous rendons compte que cette phrase cadre bel et bien avec ce sujet. Donc il y a un rapport du point de vue de la pensée. Et comment allons-nous aborder? C'est ce que nous allons faire tout de suite. Conscient de cela, virgule, Louis Aragon déclare ou affirme que, donc on va utiliser une expression synonyme, affirme que, à ce niveau, nous avons deux possibilités. Première possibilité, puisque la citation est courte, on la reproduit telle que présentée. Deuxième possibilité, on peut prendre la reformulation du sujet. Mais nous allons rester dans le cadre de la première possibilité où on reproduit la pensée de l'auteur. Deux points,
on ouvre les guillemets, le roman nous détourne. Le roman nous détourne de la réalité. Le roman nous détourne de la réalité. Point, deux points plutôt, l'art du roman, c'est de savoir mentir. C'est de savoir mentir. L'art du roman, c'est de savoir mentir. Nous venons ici de reproduire la citation de Louis Aragon. C'est la deuxième partie de notre sujet. Et ici aussi, on peut avoir une autre procédure. Si l'élève ou le candidat, le débatteur estime, pense que cette pensée n'est pas tellement explicite, il peut l'expliquer à partir de la reformulation du sujet. Et comment est-ce que ça se passe? On reproduit tout juste un connecteur logique et on reproduit la reformulation du sujet. Point. Autrement dit, virgule. Autrement dit, virgule. Le roman n'est qu'une pure fiction. Le roman n'est qu'une pure fiction. Le roman n'est qu'une pure fiction. Nous venons de terminer notre deuxième partie. Nous venons de rendre claire la pensée de Louis Aragon. Il nous reste en ce moment-là le petit D et le petit E. Cette partie, c'est le C que nous allons intituler la problématique et l'annonce du plan. La problématique et l'annonce du plan. La problématique et l'annonce du plan. Nous allons effacer pour progresser. La problématique et l'annonce du plan. Voilà. Et à ce niveau, nous avons notre problématique qui est bel et bien là. L'annonce du plan, c'est le plan dialectique. Mais ici, nous allons rendre cela explicite à partir des phrases. Nous allons reproduire notre problématique à cet effet, virgule, à cet effet, virgule, à cet effet, virgule, peut-on soutenir que le roman est un pur mensonge. Que le roman est un pur mensonge. Nous venons de reproduire la problématique, il nous reste l'annonce du plan. Point. La réponse à cette question nous impose deux parties.
nous impose deux parties. Deux points. La première, nous permettra de montrer que le roman est une pure fiction, point. C'est la première partie, tout comme on pouvait aussi, si on voulait rester dans le cadre de la problématique, on devait dire la première nous permettra de montrer que le mensonge occupe une place importante dans le roman. Première partie. La deuxième partie, nous servira à élucider que ce procédé, donc ce procédé ici mis pour le roman, traduit réellement, les faits vécu dans la société. Voilà comment on présente la problématique et l'annonce du plan lorsque nous n'avons qu'une problématique. Si je disais, si on en avait deux, on pouvait supprimer la partie annonce du plan. Voici les étapes d'une introduction. Et ce qui nous reste à faire, c'est de rédiger de manière claire et nette l'introduction. Donc, le dernier tiret, c'est rédaction. C'est la rédaction d'une introduction. L'introduction se présente en un seul paragraphe. Donc nous allons rassembler tous ces éléments en un seul paragraphe. Nous allons reprendre la première phrase de la présentation. L'artiste, dans la création, de ses œuvres, l'artiste dans la création de ses œuvres, notamment dans la création de ses œuvres, notamment le roman, met en relief, des faits qui déconnectent le lecteur de la réalité.
C'était la présentation du sujet. Nous allons prendre la deuxième partie qui portait sur la reprise. Conscient de cela, virgule, Louis Aragon, affirme que le roman, nous détourne. Le roman nous détourne de la réalité. Deux points. L'art du roman c'est de savoir mentir. On va l'expliquer à partir de la reformulation. Autrement dit, virgule, le roman n'est qu'une pure fiction. Point. Nous allons prendre notre troisième partie. La problématique et l'annonce du plan. À cet effet, virgule, peut-on soutenir que le roman est un pur mensonge. Après notre problématique, nous allons aborder l'annonce du plan. La réponse, à cette question, nous impose deux parties. Deux points. La première, nous permettra de montrer que le roman est une pure fiction. Point. La deuxième, nous servira à élucider que ce procédé
que ce procédé traduit réellement l'effet vécu dans la société. Point. Ici, nous venons de rédiger. Sauf que n'oubliez pas qu'on ne reproduit pas sur la copie les sous-titres. Ici, les sous-titres, c'est pour donner la démarche ou la procédure à suivre. Donc, à ce niveau, quand on dit rédaction, c'est comme ça qu'on présente. On retire tout simplement le tiret, le sous-titre, et au niveau de la copie, on présente l'introduction de manière cohérente et en un seul paragraphe. Après avoir reproduit ou après avoir présenté l'introduction, on va maintenant vous donner un sujet d'évaluation à la maison pour vous permettre de reproduire les différentes étapes et à la prochaine séance, regarder ce que vous avez fait et ensemble corriger pour avoir une autre introduction. Travail à faire. Travail à domicile ou travail à faire. Sujet. Deux points. Faites la rédaction de l'introduction. Faites la rédaction de l'introduction. Faites la rédaction de l'introduction à partir du sujet suivant. À partir du sujet suivant. Deux points. Stendhal écrit dans son roman, Le Rouge et le noir. C'est le titre. On le souligne. Deux points. Un roman. Est un miroir que l'on promène le long d'une route point justifier ce point de vue en vous appuyant sur les œuvres que vous avez lu. Voilà, c'est le sujet, votre travail à faire à la maison. Vous allez lire le sujet,
en fonction de ce que vous connaissez déjà, vous faites votre compréhension, vous énumérez les éléments constitutifs de l'introduction, vous faites ressortir les trois étapes d'une introduction de manière détaillée, et ensuite vous rédigez en un seul paragraphe votre introduction à partir de la pensée de Stendhal. Chers élèves, voici, nous sommes arrivés au terme de notre travail de rédaction portant sur l'introduction. Et je vous tiendrai compagnie la fois la prochaine séance, tout en vérifiant ce que vous avez pu faire sur l'introduction. Je vous remercie et bonne continuité pédagogique à domicile.